Michel Portos, né à Marseille. J'ai eu 2 étoiles au guide Michelin. J'ai été cuisiné l'année par Goemio. Je travaille beaucoup maintenant sur le national et un petit peu aussi à l'étranger pour diverses missions. J'aime pas le terme de haute gastronomie. C'est pas mon. Parlons de gastronomie tout court. On peut très bien se régaler dans un bistrot, dans un bib gourmand, dans une auberge. Voilà, à partir du moment où on utilise les bons produits au bon moment, à la bonne saison, qui ne sont pas maltraités. Je pense qu'il n'y a pas besoin de haute gastronomie, de payer des additions à 400 ou à 500 euros. On sait que ce n'est pas la période, hein. C'est un peu compliqué pour la plupart des ménages français. Mais je pense que le réel enjeu, c'est pourquoi on ne donne pas de cours de cuisine aux jeunes dans les écoles. Ça me rend dingue. Je me dis, on apprend, à mon époque, on apprenait la flûte à bec, on apprenait le dessin, mais pourquoi on ne donne pas de cours de cuisine aux jeunes dans les écoles, au collège, au moins à partir du collège? Alors un cours de cuisine, c'est rien, mais ne serait-ce que leur donner envie de manger des légumes et pas forcément que des frites, leur donner envie de manger des légumes et pas forcément un féculent, ça ne demande pas aux enseignants une énergie folle, pas plus que d'apprendre la flûte avec un professeur de musique. Je pense que c'est juste du bon sens un régime. Avant d'être un régime, évitons de consommer des corps gras. J'ai mon médecin généraliste, je vais la sortir parce que ça vaut le coup. Il me dit, Michel, pourquoi tu manges le soir? Alors moi j'avais pour habitude de faire toujours l'inverse. Bon, après j'ai la chance d'avoir une ligne à peu près normale. Enfin normale, si tant est qu'il y ait la normalité. Mais il m'a dit, c'est le matin on mange. Parce qu'en fait, on remplit le réservoir. Il me dit, quand tu fais de la moto, tu remplis le réservoir le matin avant d'aller travailler. Donc tu remplis le réservoir et après, tu viens le cramer les calories. Ce qui va faire vider le réservoir. Quel est l'intérêt d'aller remplir le réservoir le soir avant d'aller te coucher? Ben, tu gardes en fait le plein sur toi. Donc je pense que cette image m'a fait réaliser beaucoup de choses. Et puis après, je dirais naturellement, je répète, je mange beaucoup de choses à l'huile d'olive, je mange beaucoup de légumes. C'est pas un boulet d'aller manger des légumes et d'aller goûter tout un tas de produits autres que cuisiner au beurre, à la crème. C'est avant tout du bon sens s'alimenter. Mais je pense qu'il faudrait réellement redonner des bases aux jeunes dans les collèges. Je pense que c'est là l'importance de notre action.